3-0 face au Dragon de Lomé. Quelles sont vos impressions après le match? Naturellement, on est content. Je suis heureux pour le groupe, pour le moral du groupe. Il y a tellement longtemps. Et aujourd'hui, on est fiers de ce que nous avons fait. Et nous allons prier contre le travail pour que ça se répète dans la journée à suivre. Très content de m'écouter bien, de jouer fini ce soir. Qu'est-ce qui a été le déclic au niveau de cette formation? Parce qu'on vous a vu prendre dès le début de la rencontre d'assaut l'équipe des Dragons. Une chose qu'on a vu rarement Énergie faire cette saison. On dira pas que une chose qu'on vous avez vu rarement. Et on avait soif de marquer, on avait soif des 3 points. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de la phase retour, on encaisse que de mauvais résultats. Et on avait soif de marquer, on avait envie de prouver que nous avons. Et que nous avons cet esprit-là qui nous pousse. Et que nous allons défendre ce qui est à nous. Et c'est ce que nous avons fait, les gars. On fait ensemble, on est resté. Totalement au bout. Ensemble, on a défendu, on est allé les chercher. Gros, puisque nous sommes chez nous. Et c'est, je crois que ça a payé, ça a donné les 3 buts en premier temps. Et on est très content de ce résultat. La prochaine journée, vous jouez craqué. Comment pensez-vous jouer sur le... Avec la même détermination, même envie et le même règne de faire, nous irons les chercher, nous irons jouer. Et avec tout le respect que nous avons pour cette formation de craqué, je crois que nous irons là-bas et pas pour les observer, mais pour aller faire notre jeu, aller conquérir, aller arracher ces 3 points comme aujourd'hui. Nous allons continuer le travail et je crois que Inch'Allah, Dieu sera avec nous et on fera un bon résultat. Merci.